Le gouvernement français espère un électrochoc pour mettre fin aux violences conjugales. Le Premier ministre a choisi la journée internationale contre les violences contre les femmes pour annoncer une trentaine de mesures après trois mois de réflexion. Par exemple, la ligne d'écoute dédiée aux victimes le 39-19 fonctionnera désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous créerons également d'ici 2021 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Nous devons, lorsque cela peut sauver des vies, offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical. Je souhaite que cela concerne des cas très stricts, encadrés, les cas d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence en nombre de féminicides, la france se place à la deuxième place derrière l'allemagne. mais ces pays sont les plus peuplés d'europe. et si l'on rapporte le nombre de femmes tuées par le nombre d'habitantes, c'est la finlande qui est tristement en tête. à noter que l'espagne est passée derrière la france après des efforts payants de madrid. paris s'est d'ailleurs inspiré des mesures espagnoles, même si ces annonces déçoivent les associations. ce sont des mesures techniques, des mesures qui sont législatives pour la plupart, qui vont changer la loi, d'accord à quelques endroits. Est-ce que ça va faire changer réellement la vie des gens Aujourd'hui, la réponse est non. Selon une association qui recense les féminicides, plus de 137 femmes ont été tuées en France depuis janvier. 15% des meurtres dans l'Hexagone ont lieu au sein du couple. 87% des tués sont des femmes, victimes d'une violence décuplée par l'alcool et les stupéfiants.